Salut à tous, c'est Dépanche, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Supermarket Simulator et on se retrouve à la suite du précédent épisode. Donc, on venait de terminer le jour 6. On avait perdu 139 parce qu'on avait, on avait acheté le frigo. Le lait et l'eau augmentent. On commence à avoir les factures et le loyer. Alors, l'eau. Et le lait. Tac. Donc il est à 2,86. Ouais, pas besoin. C'est un bug. Ok. Alors, l'eau. On va remplir. Hop, c'est ouvert. On va foutre ça là. On va déjà remplir ce qu'on a. Ah, beaucoup vont dire oui, il faut pas jeter les cartons, il faut les garder. Le problème, c'est que dès que vous allez avoir les emballeurs, ils vont vous les jeter. Hein. Le sucre. On peut ne pas en lâcher. Il est presque plein. La farine. Alors. Donc le chou qui pique, c'est pas la peine. Le sucre, ça sera pas la peine. On va racheter du pain. On va racheter de la farine. On va racheter du café et du thé. Les pâtes, pas à tenir. De l'huile. Alors, hop. Une farine, pain, huile, pâte, sucre on laisse, le narvalo, le thé. Et le lait a monté, j'ai dû baisser mon prix, c'est ouf ça. Attaque, attaque. J'ai pris des œufs. Des œufs, j'en ai pas pu. Oui, œuf. Fromage, lait. Œuf, fromage, lait. Œuf, fromage, lait. J'ai pris un nom, je crois. Pour les compter. Thé. On va prendre un nom, hein, finir. Je pense. Un hoche. Voilà. D'accord. Alors, le narfalo. Bien évidemment, on va faire tous les prix après, hein, comme d'hab. Ça me paraît pas mal, hein, de... Non. J'avais déjà un nom, ouais, c'est pas grave. Ah si, parce qu'en plus il était plus cher là, donc mais voilà. Tant pis. T. Uf. Ça, en fait, hein, il faut vraiment, vraiment prendre le temps. Si vous l'avez pas le jour même, vous avez le lendemain. C'est pas grave, même le surlendemain. Oh là là. Déjà, de toute façon, à un moment donné, vous êtes bloqué par les niveaux. Votre magasin n'est pas de niveau ou. Toujours pareil. Hein.
Quoi ça sert de bourrer, bourrer, bourrer? Bourrer, bourrer, pipigramme. Commencer à être compliqué à la poser sur les boîtes. Le stable. Des trucs de toute façon, plus on va avoir de produits et moins il y aura de produits à remplir parce que. Voilà, ça va être des manques. Donc en fait, on aura en stock ce qu'il faut. Et ça sera tout bon. Allez, hop, on regarde les prix. 4,05. 3,12. C'est bon. 10,70. 5,78. Tout le monde est bon. C'est bon. C'est Bruno. Les Bruno, les œufs, 3,98, 4,08, le lait on a regardé, l'on a regardé, il ne manque rien, ok c'est bon, allez, ouverture. Bon. Après, c'est le plaisir de jouer aussi au jeu. Je veux dire, pas rusher, bâcher et compagnie. Je veux dire, je vais être franc avec vous. Hein. Moi, je m'en fous que je fasse des vidéos ou pas des vidéos. Jouer au jeu avant de faire les vidéos. Avant de commencer à faire les vidéos. Là, j'ai fait parce qu'une mise à jour et j'avais dit que. Je m'étais dit que à la prochaine mise à jour, comme je redémarrerai ma game à zéro. Alors, j'avais commencé pour voir vite fait. Hein. Quand même. Certaines évolutions. D'ailleurs, j'ai fait des boulettes et j'ai des bugs sur certains éléments du décor. C'est-à-dire les frigos présentoirs, je ne peux pas changer le prix du bas. Donc c'est chiant. Voilà. Alors je vous rappelle qu'il faut être niveau 10 de magasin pour... Pour pouvoir avoir le caissier à la condition qu'on a encaissé 200 clients. Alors là, l'avantage... Oh, madame, s'il te plaît. Super, j'ai cru qu'elle allait me donner encore... Qu'elle me donnait 100 balles pour juste un truc quoi. Oh, c'est bien monsieur 42,24. Ah, c'est pas mal ça. Et encore de plus en plus. Bon, madame, 11. Pas ouf, hein. Eh bien, ça fait la pointe. C'est nickel. Encore, heureusement qu'on n'est pas à s'occuper du... Enfin, de la caisse de base, quoi. La monnaie et compagnie. Alors, vous imaginez bien que c'est vraiment un truc de ouf ça.
quand tu es en grande surface, ça va, hein, tu as toujours la possibilité d'avoir des rouleaux, hein, ils en ont un stock. Alors par contre, une boulangerie, une petite épicerie, c'est pas pareil, hein, c'est pas la même chose. De toute façon, ce qui augmente beaucoup votre niveau, c'est quand vous faites vos commandes. Hein. Plus vous en prenez, plus. Alors, dans les commentaires, hein, dites-moi si vous préférez. Supermarket ou Center Station Simulator, ou si vous aimez les deux, hein. Comme j'ai dit, pas les deux, mais par contre, ils prendront sûrement un jour différent quand on aura une série qui se termine. Il y a aussi un autre jeu, hein, qui est en cours, hein. Et pour l'instant, vous n'avez pas accès. Merde. Après, speed, ben, t'es pas content là, monsieur. Il manquait des choses. On va pouvoir acheter l'agrandissement. On est à 424. Avec un peu de chance, on ira peut-être à 500. Avec un peu de chance, hein. Quatre 48. Cinq cents passé, c'est cool. Ouais, plus de fromage. Pas grave. C'est pas grave en soi parce que, comme je vous ai dit, de toute façon, vous avez autant de clients le lendemain. Encore un ou deux clients. Ça va être pas mal. Un ou deux clients. Hop. Allez, 23,57. Voilà. Donc, on va voir. Ah, on est presque à 600, hein, mine de rien. Bon, après, il y a les factures et tout. Plus 279,87. Le thé baisse. Ok. C'est bien, parce que quand on en a comme ça, on peut tout de suite le faire. 12. On va acheter tout de suite l'agrandissement. Et ça va acheter une nouvelle section. Oui. Gestion, section 2, 350. C'est fait. Alors, où c'est que ça nous grandit? Ça nous agrandit là.
Ok. Là, c'est correct. Allez, on recharge. Donc, le comté. Farine. Ouais, je pense qu'on va faire 2 jours à chaque fois, chaque épisode. Attends. Il bengue. Par exemple, là, de l'huile, j'en achèterai pas. Pour une bouteille, c'est pas. Comme le lait. Pareil. Ah, le pire, c'est quand on achète, quand on a la viande, c'est compliqué. La viande, elle coûte cher. Des produits qui reviennent très très cher et du coup, compliqué. Ouais. Alors, on n'achète pas d'eau. Regarder. Céréales. Céréales. Pas d'huile, pas d'eau. Pas d'huile. Pas d'eau. Ah! Bah de toute façon, je vais devoir diminuer. Je vais pas prendre le thé. Voilà. Ouais, ça nous fait monter d'un coup de commander. Mais c'est pareil, hein, à partir du moment où on a les stockeurs, ils restockent au fur et à mesure. Acheter les pâtes aussi. Voilà. Du sucre. Et là, on a plus de consignes. Donc prochain truc.
Agrandir le stockage. Ouais, j'attends qu'il passe parce que les voitures t'amènent à Babelweddop. Hein. Et ce. Et le lait. Et ne pas prendre de lait aussi, mais c'est pas grave. On l'aura pour la prochaine fois, c'est pas un problème. Ok, alors les prix. 2,38, 3,80, 5,80, 5,98, 10,70, 5,12. 5, 3, 12, ça c'est bon. 3, 98, 4, 0, 8, 2, 30. Heureusement que il n'y a que quelques prix qui changent, quoi. Parce que bon, là, je fais attention, machin, tout ça, bon, après. Ça sera, je regarderai sur l'ordinateur les flèches qui montent, les flèches qui descendent, j'irai uniquement à ces produits. Là, j'y vais tous. Et quand le magasin est beaucoup plus grand et qu'il y a plus de machins, c'est mort. Bon, allez, on fait cette journée et puis ça sera pas mal. Après, ça m'énerve, les personnages, ils ont la gig-gig là. Eh bien, vous payez tous en carte là. Pas de la grande monnaie. Oh, toi, tu vas me faire un beau caddie. 53. Je crois qu'on est au record. Hein. 53 là pour la partie. 13. Vraiment des trucs qui sont un petit peu chiants, notamment les poulets là. Les poulets de PQ, je peux en mettre que 4 dans le rayon. Ils sont à une 38. Mais il a mis quand même pas mal de nouveaux. Je sais qu'il y en a qui râlent hein, déjà hein, de la mise à jour, ils trouvent que c'est pas assez pour le temps qu'on a attendu, mais alors je sais pas si le gars il est tout seul ou pas, mais dis on s'en fout quoi. Tant qu'il nous fait des mises à jour, bon certes c'est vrai que ça fait un petit moment. Mais c'est un petit peu aussi de leur faute. Ils auraient pas rushé le jeu. Ou pour certains même. Je suis sûr qu'ils ont triché.
Mais ce que je veux dire, c'est que si tu vas tranquille, il n'y a pas de raison, quoi. T'as le temps d'avancer. Puis après, tu recommences, tu t'en fous. Alors, là, il veut plus. Là, je sais qu'il y a un des gars que Miss regarde qui a dit, oh, non, non, je recommence pas une game. Alors que c'est ce qui est le plus intéressant, le développement. Enfin, je sais pas, c'est la satisfaction du jeu, quoi. T'as commencé, t'as que deux rayons, t'as quasiment rien à vendre, et puis petit à petit, tu te développes. C'est un petit peu le plaisir du jeu, quoi. Et chaud chez moi. Parole. Parfait. Et à mon avis, il y avait plus qu'il voulait. Ouais, bah oui. Donc là, on va rien prendre de plus. Je veux dire, on va juste faire le remplissage des rayons après. Il faut qu'on atteigne 900, voire 1000 pour... Ça sera dans la prochaine. Next. Dépêchez-vous, hein, c'est la fin. Hein. Beaucoup là à venir, il n'y a plus grand chose. Hein. Oui, le chat, bonjour le chat. Oh, t'as les pattes mouillées, t'as été où là? Pourquoi t'as les pattes mouillées, le chat? Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a? Hey. Oh. Allez, va becter. Parfait. Là, on s'y prend, il y a un beau vidage de magasin, hein, mine de rien.
Allez. Hop. Et on est quand même en positif de 1,72. Ça, il faut le faire. Bref, sur ce, les démons, on va se laisser là. N'hésitez pas à le like, le commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche des notifications, pas tout compte, chaque sortie de vidéo lorsque nous sommes en live. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao, bye bye. Soutien.